Ne regardez pas comme ça. Hey, bienvenue pour une nouvelle... Oups. Une nouvelle vidéo sur Phoenix Adrift. On va essayer parce que, voilà, on m'a dit d'essayer un petit peu les autres attractions. Alors, non, je n'essayerai pas le Terror in Hospital avec ses mécaniques de jeu ultra compliquées. J'ai vu qu'il y a eu une update quand même qui a simplifié le truc. Parce qu'à la base, il fallait aller chercher je ne sais pas combien de rayons X. Le mec a changé, il a mis genre... oh, faut aller en chercher que 3. Oui, bon, on s'en fout. Donc, on va essayer celui qui est noté genre une étoile. Oui, il y a Dark Room là, et je crois que c'est tout neuf. C'est tout nouveau. Voilà, Black Hole, c'est ça. Ça fait peur 1 sur 5. Mais on va quand même essayer. Ok, bon. Déjà, pas d'instructions à lire pendant 10 ans, n'est-ce pas? Ça fait un peu du bien. Non, je sais pas quoi penser de ce jeu, en fait. Si ça se trouve, il y a des attractions pourries et d'autres qui seront plus réussies. Je ne sais pas. Ouh là là, 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 ouh là là. Bonjour. Ouais, ça va, je peux me mettre accroupi. Puis cet effet de flou... Attendez, est-ce que je pourrais pas enlever cet effet de flou? Non, je ne peux pas. Devez vous débrouiller avec. C'est vrai que c'est très le flou quand même. C'est pour pas qu'on voit que le jeu est moche. Oh, j'arrête. Allez, c'est parti. L'ascenseur. Ouh. Regardez-moi la réflexion métallique sur les barres, elle est bien faite. C'est quoi cette musique? Oh, ça sent les musiques copyrightées, YouTube. Je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Je veux pas, monsieur. Surtout que YouTube, maintenant, il est trop à fond sur les réclamations de droits d'auteur, là. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça sent trop vraiment la musique que les mecs ont pas fait, qu'ils ont piqué sur le net sans aucun droit. Ah, ça, c'est la clé que je dois avoir, mais comment je l'obtiens? Mais pourquoi ils ont mis une musique comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça? H-I-K. Mais c'est une discothèque, le truc! C'est quoi ces signes? Ah, genre, ça c'est U. Ça c'est X. Oh là là, il va y avoir une énigme, attention! Attention, mais je vis où, je ne sais pas! Les mecs, ils ont craqué, quoi. Mais ça fait pas peur! Il y a une super musique techno! Je comprends rien à ce jeu, c'est super. C'est génial. Attendez, il y a un truc là-bas éclairé qui est à la suite de la discothèque. Ok, c'est un Pac-Man quoi. Je sens encore les morts, genre. Merde. Les morts complètement injustifiées. Je vais rentrer dans le... Il y a un mec là. Il y a juste un mec. C'est le type du menu principal, mais en fait c'est juste des screamers, on peut pas mourir, je suis sûr. En fait, scary, c'est la difficulté. Là, j'ai un coin. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire de mon coin? J'en étais sûr. Le mec est fan des murs qui explosent quand même. Attention, on avait un truc. Il n'y a rien. Ah, attendez, il y a ça là. Ça fait rien. Oh punaise, je sens pas. La 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 la. Pot sur coïncir, c'est un piège. Merde, mais il en faut autant que ça. Elles sont où les autres coïs? Il y a un énorme flash blanc. C'est quoi ça? Il y a un bloc sans aucun sens par terre. Il y a pas d'autres coins. Ça se trouve, faut que j'aille dans les autres trucs. Les autres attractions. Je veux pas, non, putain, je suis pas venu ici, là.
Super, très bien. Tu as pas des coins sur eux? Excuse-moi. Non, t'as pas de coin. C'est pas grave. Je t'aurais pas, même pas peur. Oh là là, mais c'est un labyrinthe, quoi. Prends le mec. J'ai rien trouvé de plus original. Bon, on va juste mettre 10 ans à trouver 3 pièces. Waouh. Oup, oup. Bon, là, c'est bon. Nope. Nope. De toute façon, les mecs, ils sont trop bien dans des... dans des jolies petites... dans des étagères. Donc, quand on voit une étagère, on sait que... Attention. Je suis même pas venu ici. Yay. Trois, ça fait 4 pièces. 5 pièces. L'étoile, ça a 5 branches, donc je suis perdu. Ah, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. C'est bon. Yay. J'ai gagné une lune. Qui se chouette avec ma lune? Oh, ok. Faut que je sorte là? Je crois qu'ils ont mis un monstre. C'est plus comme avant, c'est un autre niveau. Je sais pas. Voilà, c'était une illusion. Je me suis fait illusionner. C'est l'illusion. Ah d'accord, le mur me pousse. Tout n'est qu'illusion. Peine une sensation. Parce qu'il n'y a pas assez de copyright YouTube. C'est pour ça que je chante. Oh, je vois que dalle. Qu'est-ce que c'est de ces endroits? Mais c'est quoi ce jeu? C'est quoi le but? Les murs se... Oh, what? Qu'est-ce que c'est? Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi? Je ne comprends rien. Les mecs, ils ont fumé. D'accord, bon, elle va me sauter dessus, attention, 3, 2, 1. Il est revenu là, mais c'est une blague. Ah, merci. Dieu merci, j'ai trouvé la sortie. J'ai gagné une lune. C'est fabuleux. La lune. Bon, j'ai plus qu'à faire 10 minutes de marche. Ah là là. Tiens, mais du coup, il n'y a plus la musique. Il y a tout le temps les effets, mais il y a pas la musique quand même. Là, c'est fermé. Ah mince. Qu'est-ce que je fais de ma lune? Là aussi, c'est fermé. Bon bah voilà, hein, Ah mais non, attendez, là il y a un truc avec une lune. Putain, oh là là. On le voit pas là. Avec la réflexion, les mecs ont tellement mis de réflexion, regardez, on est comme ça, on voit rien.
Ça s'ouvre pas. Ah, il faut une autre clé, d'accord. Et là-bas, c'est fermé. Je comprends pas. Ah, d'accord. Oui, le fait de poser à la porte 1, ça ouvre la porte 2, ce qui est complètement logique. Mais bon, on va perdre juste 10 minutes, mais c'est pas grave. Mec, il doit être trop fatigué des pieds, quoi. Pourquoi il y a autant de chemin avant les attractions? Ouh là là, attention. Oh là, attention, c'est très le Tomb Raider, tout ça. Ouh, des énigmes! Oh là là, non! Non, 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 alors attendez. À mon avis, il faut taper Sun, parce que c'est le soleil, oui. Alors, je me souviens que ça, c'est le U. Oh, faut que je fasse demi-tour. Attendez, c'est pas sur Internet les mêmes hiéroglyphes partout, là? Écriture hiéroglyphe égyptienne. On va quand même essayer, parce que j'ai un faible S, c'est un trait avec un petit nœud. Et le N, je pense que c'est une petite vague. Donc si le mec est pas bête... Voilà, ça c'est normalement, c'est le S. 10 ans plus tard, nous sommes enfin arrivés au N. Voilà. Alors, vu qu'il y a plusieurs types d'oiseaux, j'ai peut-être confondu. Si le mec, il a pris des trucs égyptiens et qu'il n'a pas mis les mêmes, c'est honteux. C'est bien là, non? C'est pas ça. Il y a un poussin. Mais allez! Mais c'est ça là! Vas-y, j'ai regardé le truc sur internet et tout. C'est génial, j'ai fait le tour, c'est pas ça. Putain, il faut que je retourne dans la salle. Après 20 minutes de marche. Oh là là, quoi. Le mec est sérieux. Waouh, on est revenu. Trop bien. Alors. Regardez le U. Le U, c'est ça là. Sentez le mec qui est énervé là. Alors le U, c'est un espèce de petit pigeon, voilà, qui fait comme ça, avec ça. Regardez, c'est exactement la même chose. Bon, je vais noter les autres aussi, hein, du temps qu'on y est, parce que j'ai pas envie de... Voilà. Le E, c'est le même que le Y, allô. Allô, regardez le Y. Oui, vous voyez bien le Y? C'est deux couteaux. Maintenant, regardez le E. C'est le même. Ils sont pas fait chier pour le P, hein. Bon, j'ai tout noté, il n'y a pas le S, il n'y a pas le U, c'est génial. Alors, je vais comparer un petit peu avec ce que j'ai, moi. Oui, effectivement, bah, c'est bien le vrai code, hein. H, c'est bien ça. Voilà, c'est ça. Ça, c'est... C'est lui! Ouvre-toi! C'est le moment où ça marche, tu vois. Alors déjà, il y a un signe pour le soleil. Déjà, de base, pour le soleil, il y a un signe qui est dédié à lui, oui. Ah, mais il y a plein de S en fait. Ok, donc en fait, à part le S que je suis pas sûr parce qu'il y a plein de S différents en hiéroglyphe. Donc je vais tourner et attendre vaillamment que le jeu me dise que j'ai gagné, si possible. Ce serait cool. La vague, non, c'est bon. Enfin, on est parti de quoi? Ouais, le petit nœud sur la corde. Oh! Oh mon dieu! Bon ben voilà, c'est celui-là. Attendez, juste par conscience professionnelle. Ah oui, c'est un S avec un petit accent, c'est linge. Mais bon, on s'en fout puisque... Ah, oh, mon dieu, j'ai trouvé le soleil! Au soleil! Bon, je reviens après 10 minutes de marche. A tout de suite. Ok! Oh mon dieu! C'est parti! On va enfin voir la fin, quoi. J'y crois à peine. Ouais, je me dépêche un peu parce que, en fait, j'ai plus beaucoup de temps. Là, ça fait genre 25 minutes que j'enregistre. Parce que, vous voyez, genre, c'est pas cool de tourner en rond sur une énigme de... Qu'est-ce que c'est ces signes-là? Oula. On va pas trop s'approcher de là. Greenpeace. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Les signes de la paix. Il y a on-off. Ah, ça va être genre la puissance. Où je fasse le soleil? Non, c'est pas le soleil. Si, voilà. Le soleil était juste parfait là. Il y a ça là, mais je sais pas à quoi ça sert. Attendez, on va aller ailleurs.
On nous a mis un petit bonhomme qui allait à droite, hein. Donc. Ça va, oui, bon, ok, hein, j'ai eu peur un peu. Ah, j'ai ramassé un bloc. Ça a ouvert la deuxième truc. C'est cool d'ouvrir des cellules, mais on ne voit rien. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je ne vois rien. Donc voilà. Challa ? Non. Click the symbol. D'accord. Roger. Je vais click the symbol. Ouh là là. Ok. Cool. Bon, j'ai quasiment cliqué tous les symboles. Il reste que ce possiblement en haut de l'escalier. Quoi ? Change de couleur, non ? Oh, mais c'est trop long ! Qu'est-ce que... Mais click the symbol, mais... Je fais que ça de click the symbol. Ah, voilà. Ça, là. Ça n'a rien fait du tout. Ah ! Click the symbol. Ah, ça a ouvert la porte. Oh mon dieu. Oui, non, je sais pas. Ce symbol, c'est mon dieu, la faute. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? Ah, faut peut-être tous les mettre dans la couleur. Attendez. Lui, il était violet. Lui, il est genre comme ça. Lui, il est jaune. Lui, il est orange. Et voilà. Ok. Attention, ça va nous sauter dessus. Non, ça fait juste un flash. Tout va bien. Tout va bien, on se porte bien. C'est genre je dois sortir, c'est ça? Ok. Oui, j'y vais. Ah, mais c'est ce que je dois reproduire, ok. M, U et un rond, ok. M, U et un rond. Et voilà! J'ai tout débloqué! Et j'ai une key! Ah! Faut que je retourne tout au début, c'est une blague! C'est une blague! Allô? C'est une blague? Faut que je marche pendant genre 10 minutes? C'est ça? Du coup, cet escalier, il sert à quoi, là? Ah, ça s'ouvre, ok. Ah, ça va peut-être être un raccourci, non? Faut que de refaire 3 quarts d'heure de marche. Attention, Screamer dans 3, 2, 1. Screamer. Putain, mais cette musique, quoi, c'est improbable. Oulala, où suis-je? Ah! Je suis revenu par en dessous, ok. Oh là là, tout est étudié. Tout est étudié. Waouh! C'est du sang là maintenant, non? C'était pas rouge comme ça avant. Attention, attention, attention. Oh là là! J'ai la clé! On a réussi!
Le premier niveau du jeu. Chargement. Lol. J'en viens à où? Ah ok, j'en monte. Hey, yay! On l'a fini. Attendez, je crois qu'il y a un écran avec genre toutes les clés là, qu'on a ramassées. Voilà. Et voilà, Black Hole, on a fini. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. J'essaierai peut-être la prochaine attraction la prochaine fois. Donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bien plus.